Et sans aucun respect les amis, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Far Cry 5 et nous allons essayer de survivre. Et c'est raté. Et donc faut que je rejoigne Applezenz. Apparemment John Seed qui aurait rejoint la ville. Et ce qui est extrêmement pratique, c'est que cette ville justement est en ligne droite et par conséquent ça pourra me permettre de me poser en toute tranquillité au cœur de la ville. Et ça, c'est pas juste génial. C'est là, ça, avant. Oh là là là, comment il se pose comme un dieu, le Marcus. Il y avait pas le tapis rouge avant, comme ça. Elle va lui dire oui. Non. Je m'y oppose. Black. Non, ne lui dis pas oui. Femme. C'est gros comme un camion. Elle va lui dire oui. Mais qu'elle est con. Bouge pas. On doit pouvoir lire colère, Pam. Colle. Un péché doit être visible pour être absous. Si nous cachons nos péchés, nous nous cachons. Tu ne te cacheras plus longtemps. Ma Dragon Ball, elle a pris un coup dans le nez, hein, quand même. Hein, je veux pas dire, mais. Va se répandre. Avant, il y avait 4 étoiles, là, elle commence à prendre un coup dans le nez. Dommage. Ouais, ouais, c'est ça. Si Mahomet ne vient pas à la montagne, apporte la montagne à Mahomet. Ouais. Commençons. J'ai pensé à un visage familier pourrait t'aider à expier. Or, mes chers fidèles, Nous sommes réunis en ces lieux pour... Espèce d'enfoiré. On va réessayer. Mes chers fidèles, nous sommes réunis en ces lieux pour... Mes chers fidèles. Nous sommes réunis en ces lieux soutenir pour... ceux qui souhaitent expier leurs péchés. Soutenir ceux qui souhaitent expier leurs péchés. Veux-tu, Nick Rai, poser la main sur la parole de Joseph? Veux-tu, Nick Rai, va poser... Va te foutre. Non. C'est Nick? Je ne jamais à ce psychopathe. Admirez donc l'avarice. Tu ne penses qu'à ta petite personne. Bien. Nick. J'imagine qu'ils ont menacé sa famille. Oui. Oui, je veux expier. Non! D'expier tous vos péchés. C'est quoi qui lui a retiré? Le pouvoir d'être libéré. Un bout de ça? Officier, veux-tu poser la main sur la parole de Joseph? Officier,
Veux-tu poser la main sur la parole de Joseph? Pour admettre tes péchés et pour y renoncer. Pour admettre tes péchés et pour y renoncer. Dis oui. Ce n'est qu'un mot. Et qu'un doigt. Faut que je dise oui, c'est ça? Putain! Tire! Tire! Allez, tire! Emmenez John Orange, vite! J'aime ce curé! J'aime ce curé! Ah bon, bah j'ai plus d'armes, je le coup. Oui, t'es venu mettre devant. Le simple fait que... Aïe, bon. J'allais dire, le simple fait que mon avion soit encore là était génial. Mais j'ai fait de la merde. Je suis sorti trop vite en pensant qu'il fallait que j'aille chercher en fait le bonhomme. Madame. Ah merde. Hey, excusez-moi, je m'en occupe. Aïe, me tirez pas dessus. Installez-vous dans la tourelle du camion. Oh, mais ça commence à me plaire, cette histoire. Ah, mais c'est peut-être juste l'avion de... Oh là, il lui arrive un truc. Dans la tourelle du camion, c'est bon, j'y suis. La suite, ma petite dame. Dis-moi, j'ai un... T'as vu peur qui tient pas debout. Ah d'accord, on y va tous ensemble. Oh, génial. Ouch. De quoi que t'as dans ta ligne de mire? Et derrière nous, tirez-leur dessus, visez les pneus. Derrière, c'est sûr. En voilà d'autres. Attention à l'avion. L'avion nous aura pas. T'es pas mort encore? Non mais ça c'est devant hein, Timon. J'ai la cible en visuel. Continuez comme ça. J'ai comme un problème. T'as vu ça? Abattez les avions. Ça va chauffer. On a des cinglés au cul. Ça y est, j'en ai eu un. Ouais, je sais, je fais ce que je peux. Ouais, tire-toi, t'as raison. Ça vaut mieux. Ok, on arrive au ranch. Non? Non, pas encore. Devant? Qu'est-ce qu'il y a devant? Qu'est-ce qu'il y a devant? C'est pas grave. Apparemment, il m'en veut pas plus que ça. Wouhou, on arrive au ranch. À la maison de Joseph. On va faire ça une maison. John s'est envolé. J'ai trouvé un avion et rattrapé. Oui, madame. John s'est envolé. Vous avez trouvé. Ouais, ouais, ouais. Oui, madame. C'est parti! La colère, mission principale, d'accord. C'est Nick. Je vais pas laisser ce connard s'en tirer comme ça. Le chien fou! Je peux voler, si vous voulez. Non, c'est bon. Je gère, t'inquiète. Je gère.
tout se passe bien, on devrait même pas avoir de problème. Ok. Ils sont deux. Je suis tout seul. Et oui, j'espère bien. D'où l'entraînement à l'aviation avant. On a eu le tireur. Tant qu'on est dans ces 6 heures, on est bon. Terme. D'aviation. Tu aurais pu nous aider à bâtir un paradis, un navire, mais tu préfères okay. Tout détruire. Raté. Un peu trop optimiste. Ah ! Non, je suis trop optimiste. Belle manœuvre, inutile mais belle manœuvre, visuellement c'était joli. Dommage, on va espérer que ça puisse le toucher. Il est solide. Et moi je suis mauvais aussi mais lui il est solide. Hein. Et étrangement j'ai l'impression qu'il a de plus en plus de vitesse. Oula. Alors j'aimerais comprendre comment tu m'as fait ça, mais... Oh le pilotage au... Quoi mon moteur est... D'accord, j'étais en... Ah d'accord, c'est parce qu'on est à altitude max. Ok, on y est. C'est bon. Il va s'écraser. Mais alors où est-ce qu'il va s'écraser? L'avion de John s'est crashé. Père, protège-le. Mes frères, mes sœurs. N'ayez pas peur. Nous sommes préparés. Viens là. Le père nous a montré la voie. Viens là. Viens là! Oh, je suis dégoûté. Alors ça, je suis dégoûté. C'est parce qu'il y a eu son parachute qui est passé dans mon angle de commande de descente que ça m'a reset le truc. Alors là, par contre, je suis dégoûté. Hop là. John Seed vaincu. Oh. Oh bah, je m'attendais pas à ça, mais c'est comme ça. Je l'ai même pas reconnu de loin en fait. Ah, il avait un grand manteau, d'accord, ok, c'est pour ça que je l'ai pas reconnu. Autant pour moi. Ça l'a rendu assez lambda, hein. Et si Joseph a raison? Est-ce que tu t'es posé 2 secondes pour réfléchir à ça? Tout le monde pense qu'il est dément, mais c'est faux. Regarde autour de toi. Notre monde est foutu. Principalement à cause de vous dans la région. Tu le sais pourtant. Regarde les infos. Regarde qui nous dirige. Oui, je sais, il s'appelle Donald. Tu veux cette clé? Parce que tu penses sauver des gens, mais il risque plus rien. Tout est dans le plan. Ouais, au revoir. Tu ne comprends pas. Tu ne crois pas. Tu t'en fous. Ouais, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Que Dieu ait pitié de ton âme. Ah, oh, t'es pas sympa.
pour ne pas m'y rendre tout de suite. Comment ça, selon toi, j'irai en enfer? Hein? En train de sauver des gens, comme tu le dis si bien. Pourquoi j'irai en enfer? Ça te dérange pas, mon pote, je vais te piller, hein? Je ne sais pas quoi dire. John Seed a terrorisé la vallée tellement longtemps. Je n'aurais jamais cru pouvoir mourir. Mais c'est encore un peu tôt pour se réjouir. Hudson et les autres sont toujours coincés dans son bunker. Il faut les sauver. Bah, j'y vais! Ouais, j'y vais. Merde. Encore une fois, je te le dis, j'y vais. Bon, les amis, j'ai changé de véhicule. J'ai pris le Widowmaker, hein, sans la moindre hésitation. C'est par là? Ça m'étonne. C'est par où? J'ai loupé une route. Ah non, faut continuer dans ce sens-là pour faire un grand tour. Ok. Hello! Vous me voyez pas. Je m'en doutais, je le regardais. Et je me disais, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Il va nous le payer. Et il sera le premier à le payer. J'avais dit qu'il serait le premier. Oh. Il me cherche ? Alors vraiment qu'on m'explique comment ça marche. Ok. Et de 1. Je sais pas qui c'est qui les bombarde, mais. Mais il fait ça bien. Allez, ça se rapproche de moi. Ils ont un gros problème pour me repérer. T'es à moitié couillon de te tirer dessus, quoi. Il vient de se tirer dessus, ce couillon. Allez, venez. Venez qu'on se marre. Mécréant. Hop, les... bon, on les a eus. On a sécurisé l'endroit. Sans trop de soucis. Je suis assez surpris d'ailleurs. Et de m'assurer d'avoir plus ou moins le plein de munitions, mais bon. Je pense que au point où on en est maintenant, même pas la peine de chercher. La clé. Apparemment on est plein. Allez, on prend les couteaux.
et on y va. C'est parti, ouverture du bunker, chers amis. La tension est présente. Va-t-il y avoir Joseph dans ce bunker, peut-être? Who knows? Pour qui? J'avais... J'avais... Ah non! Alors là, je veux pas que les tôles deviennent d'un seul coup. Tiens. Voilà, je l'ai eu. À force de coups de poing, j'ai fini par l'avoir. Les tôles sont devenues forcément creuses. Si je puis dire. Bon, c'est un peu dégueulasse. Oh putain. C'est la porte par laquelle il a emmené la fille la dernière fois. Je sais pas si vous vous souvenez. Qu'elle va être en vie. Ah merde! Mes couteaux! Où est passé mon couteau? Mon couteau est là, c'est bon. J'ai récupéré mon couteau, tout va bien. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive, 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 j'arrive. Ouf, c'est pas passé loin, je pense. Un autre qui arrive. Hop, un autre qui arrive, merde. Allez, sors. J'étais un peu trop optimiste. Tu m'as pas vu. Ah oui, j'ai récupéré aussi une autre amie, chers amis. Une autre amie qui, elle, ne nous aura jamais déçus. Je vais pas récupérer mon deuxième couteau. Bien sûr que non. L'appel de l'amitié. En tout cas. On continue. Coucou. Oh. Ça, ça pue du cul quand même en règle générale. Hein. Et merde. Et merde. C'est que ce bordel. C'est moi, c'est moi. Calme-toi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi. Oh, c'est moi. C'est moi. Moi. Coucou, c'est moi. C'est moi. Hello. Oh putain. Oh la vache. Oh la myopie sévère, quoi. Je pensais pas que tu reviendras. Bah je suis revenu. Il s'est passé quelque chose. D'accord, il s'est passé quoi? Les illuminés se sont mis à s'agiter. Toutes les portes se sont fermées et on était enfermés. Merde, j'ai perdu mon chausson. J'ai bien Chausson, reviens. Finir par crever là. Ah, je tiens. Tiens, t'as réussi à passer derrière. Non, pardon, excusez-moi, je parle à mon chausson. T'as réussi à passer derrière le pédalier de voiture qui est sous le bureau. Tout ça, c'est de sa faute. Lui, c'est enfoiré. Oui, c'est bien. C'est le prochain sur ma liste. Les copains. Oui. Il descendait ici et il restait là, sans bouger. Ça aurait pu être pire. Il regardait.
On implorait sa pitié et il faisait rien, putain. Il regardait. Mais qu'est-ce qu'il te faisait, si je puis me permettre? Les autres. Ok. Il y avait d'autres gens coincés ici avec moi. Faut qu'on les sorte de là. Et puis on réduira ce putain de bunker en cendres. Aide-moi. Ou dégage de mon chemin. Bon, je viens la sauver et quand je vois comment elle me parle mal, franchement, je me pose des questions. Tu veux pas que je passe devant ? Un plus simple. What ? Vas-y, ouvre. Laquelle, la gauche ou la droite ? Bonne. On pourra dire que dans ta vie, t'as libéré une ville. Non, j'ai libéré un état, un comté. Allez! Et? Sortie de secours. Voilà, merci. Libérer les prisonniers. Putain. Pas vraiment que j'ai que ça à foutre. Vraiment, j'ai oublié des prisonniers. On va aller chez les prisonniers. Libérer. Délivrer. Vous avez plus qu'à vous tirer. Et toi, et sœurs. Sortez. L'une des sections est reliée à une autre salle de contrôle. Je peux rien faire d'ici. Tu vas devoir trouver l'autre salle. Attends, attends, la salle de contrôle est fermée. Aucun essai trouvé. Merci. Séquence de lancement annulée. Par où? Par là. Par là. Fais attention. J'ai abaissé une des plateformes du silo à missiles. Silo à quoi? Protégez les coups. Tu disais? Oh merde. Ok. On les a eus. Dessus, fais les sauter, mais dépêche-toi. C'est bon. Par où? Par où? C'est par où? Voilà. Danger. Danger. C'est quoi avec le lance-missile là? Attention. Attention. Pierre, évacué dans le calme. C'est quoi avec le lance-missile là? Hop. Voilà, commence à grimper. Ces trucs ont plus servi depuis des années. Alors si jamais ça se bloque, tire sur les charnières. Oui, madame. Et merde, impossible de tout ouvrir à la fois. Oh, je vais devoir le faire section par section. C'est pas une mauvaise idée, ça. Continue à grimper. Une fois près du sommet, tu verras une pièce où la secte conserve de l'essence et de la grâce. D'accord. Mais comment tu libères? Je croyais qu'il fallait libérer des gens. Oh, ce lancer de couteau. Évacuation. Ce lancer de couteau. Bah, je suis pas censé y aller comme ça. Et. Danger. Tire
Rendez-moi mes couteaux. Mon deuxième couteau. Ils m'ont volé un couteau. Prière d'évacuer dans le calme. Ouais, mais enfin bon, ça va faire des problèmes aussi, ça. Ah, je commence à être drogué. Non, il est pas là. Feu détecté. Au revoir. Aïe, oui, je l'ai vu qu'après, désolé. Autant pour moi. Pression défaillante. Tu m'aurais buté, honnêtement, je l'aurais très mal pris. Il y a une sortie par là ? Il y a une sortie par là. Monoxyde de carbone détecté. Oui, oui. Il y a une sortie par là, cool. Officier, les renforts arrivent. Ok. Les hélicos arrivent. On se retrouve en haut, officier. Ouh, ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Ça secoue tellement que ça en devient chiant à viser. Hop là. Pas où il est. Ils y voient tellement mieux que moi, les bots. Oh, mouais. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Mouais, mouais, mouais. Et où ils sont? Oh! Oh! Eh bah dis donc, je l'ai eu. C'est bizarre comme fin de mission, hein, honnêtement. Enfin bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis un peu déçu, honnêtement. J'attendais à beaucoup mieux. Grosse déception. J'ai hâte de voir le discours de notre cher Joseph, vu qu'il est tout seul. Mais ouais, la fin est chaotique, littéralement. Il passe des choses, on sait pas trop pourquoi, comment. On devait libérer des gens, on peut pas. On le fait pas. C'est même pas qu'on peut pas, c'est qu'on le fait pas. On fait ce qui est censé le faire pour mais on le fait pas. On a vraiment bien fait de te sauver. Hey. Vous nous avez rendu ce qu'on pensait jamais revoir un jour. La liberté ? L'espoir. Oh, pas mal. Quoi qu'il arrive maintenant, on vous suit. Oh, c'est gentil. Moi, c'est moi qui vous suis toutes les deux là-haut. C'était du sacré boulot, vraiment. Pour moi, après ça, c'est toi qui donnes les ordres. Si jamais t'as besoin de quelque chose, t'as qu'à me demander. Il y a un peu trop de monde pour que je te le demande en termes d'ordre comme ça ici, mais des idées. Vous pouvez m'écouter une seconde ? Ah, bah alors, on n'est pas bien ? Un autre seau a été ouvert. Ma famille, mes frères, ma sœur, ils m'ont tous été enlevés par un serpent dans le jardin ! Ça coule. Ah, c'est dégueulasse. Oh ! Bien fait, cela dit. Je pensais comprendre les plans divins. Oh putain, il va pas se tirer une balle ? Ça va pas se passer comme ça ! J'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Tu m'as volé ma famille pour que je puisse avoir la tienne. Je te promets que nous l'accueillerons à bras ouverts. Tout comme nous t'accueillerons, toi. Et nous t'attendrons là où tout a commencé. Ah putain, il va avoir eu Dutch. Il va avoir eu Dutch, je pense. Merde. Ok, bon. Eh ben écoutez les amis,
on a terminé cette mission, on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite, je fais pause pour éviter d'avoir l'histoire qui continue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et yo!